dit, on écoute quelques protestants avec tes amis, collaborateurs en exil, Will Gaines Narsil. Mon cher, après revendiquer, il y a un bagage qui est juste, qui s'allie. Nous gagnons des mois là, on a une sécurité qui a fini avec nous net. Chaque soir, au jour le jour, population ponçonde, Moro, Kafoupey, a monté en massifé. Sous garde 3-4 heures de l'après-midi, ou en pile monde qui prend route, qui monte, qui pouf, soit qui prend le dormir, c'est mal, ou bien qui prend le dormir, pour sonder. Donc, revendication nous là, insécurité à finir avec nous. Donc, élément déclencheur qui va arriver, c'est par rapport avec dimanche, ou il y a lundi, monsieur Savien, yo débarqué dans la localité qui est le Bel Air, eh bien, c'est ça, n'est-ce pas, oublié pas faire, yo même tué un monsieur qui s'est pas de paix, un pauvre paysan. Qui presque qui levé dans zone non cap mené activité comprendre qui t'a poussé ka bois kounya ki la j'ai vinn dépasser li obligé rentrer dans agriculture et bien monsieur ou pa wè après que yo fin envahi et moun nan zone nan bien ça wè yo c'est monsieur ou tire et bien ça vinn rivé élément de clanche ça vinn permettre que depuis hier là nous bloquer zone nan n'a revendiqué sécurité même dans Moro Ponsonde Moro Pay Ponsonde Kafou Pay nous pas mandé l'autre bagaille nous besoin sécurité et sécurité ça pour nous jeunir qui est-ce qui pour permettre nous jeunir c'est autorité dans l'état yo bon tout yon bagaille nek pam ou pas connait dans moment période côté que nous gien bloqué ça gien des agents de police qui vini yo dit monsieur nous ces jeunes garçons nous voulons travailler nous besoin seul bagaille nous besoin l'ordre pour nous entrer ça vie. J'ai besoin de l'ordre pour entrer, ça vient. L'ordre, ça, je dis, c'est DDA, qui c'est Direction départementale de la Tibonite, qui vous baille. Ça veut dire Direction départementale de la Tibonite, dans les affaires police, pas les bails. Policiers, UDMO, BLTS, autorité pour entrer, pour y aller finir avec, pour y aller finir avec, qui sont gangsters. Ça vient faire comprendre que, ça vient faire comprendre que, question bagaille, ça vient, n'est en royo, bon bagaille, après, il y a avec. N'est en royo, pas les bails, autorisation. Pour la police intervenir, pour nous-mêmes dans la zone, pour nous dormir, nous sentir que nous avons des bagailles à régler. En tous les cas, si nous avons des bagailles à régler, nous-mêmes, population, nous campons sous béton là. Nous campons, nous campons sous béton là, jusqu'au bout. Nous campons sous béton là. Quand nous commençons à tuer, nous, eh bien, nous prêts. Nous prêts. Nous baguons l'autre bagaille, nous besoin. Que vous dégagez là, moi, j'ai des chats là qui sont venus de vous, 9h30, 10h, à le faire ou Dieu. Nous besoin sécurité stable dans cette zone là. Et tout le temps, nous pas jeunis, c'est bloqué, 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 bloqué. Alpha Baye 20 000 $ et vous savez l'État. Mais pas de l'État qui vous campe et de population. Eh bien, nous-mêmes, population, si nous pas une solution. À l'État haïtien, eh bien nous-mêmes, nous avons tête nos solutions. Nous avons tête nos solutions. Yes, nous ne pouvons pas passer dans la route nationale, nous avons fait même Jeannette Savio. Déclaration diverses habitants là, dans niveau Kafoupey, Moro ak Ponsonde, qui eux-mêmes continuent à dénoncer phénomène insécurité dans zone ça, au côté, monsieur Savien, monsieur Audemayo, acheter zone ça, l'argent comptant, et habitants ça, qui mandé avec autorité policière, puis on prend responsabilité, pour permettre que, mes zones ça, gagnent la paix comme ça doit. L'autre information dans le journal là, gagne un coordonnateur général, Union Nationale Normandie Haïtien, qui c'est José Mérilien, qui est dans Seyon Pinga, le coordonnateur secteur transporté haïtien mais eu changé pour lui pas voyer représentant dans le conseil électoral provisoire. Jean président République la Jovenel Moïse a mandé ça d'après professeur Mérilien mais eu changé pas habilité pour le parler dans notre tout syndical ici. De l'autre côté, coordonnateur UNOA fait qu'on est là pas gagner aucune élection qui possible à cap président Jovenel Moïse en tête pays qui d'après lui c'est sous insécurité. De l'autre côté, José Mérilien t'a porté plus d'état dans micro collaboratrice non Germina bien lui. Sous question conseil électoral là, nous disons que Jovenel Moïse t'a écrit changer mairie pour le mandel pour choisir et représentant secteur syndical là. Premièrement, Jovenel Moïse, secteur syndical là va réduire à question syndical de transport. D'ailleurs, après syndical de transport, on va appeler le peuple à contre le dos. Nous avons dit que nous avons adoqué. Quand nous avons dit que nous avons adoqué, nous avons un mouvement de mobilisation. C'est un syndicat qui est là-dedans, c'est un enseignant, c'est un ouvrier, c'est un syndicat encore. Donc, nous avons fait ce qui est là-dedans, c'est ce là par des classes autorité pour choisir dans nos secteur syndical là, qui représentant. Et nous avons fait tout dans le climat insécurité d'État planifié qui est là, et qui va vivre par Jovenel Moïse, avec qui plus, c'est-à-dire que c'est un peu de population. Donc, c'est pas une question de
Baltan, etc. Sauf que ce que pas qu'à des élections à Jovenel Moïse, non climat de sécurité, comme c'est là. Donc, fort d'Asie, nous, on dit que le pays a des régimes YHK qui a fait des gangs, qui a fait des sécurités à tourner, d'Asie, on va généraliser, pour faire une sauté, pour tout le monde d'Asie, non, t'es chaud, pour garder comme avant l'autre, on va en. Donc, pas des élections avec Jovenel. Parce que je dis c'est sous sécurité, c'est pas la sécurité là. Il a tout le monde dit que ni changer le pays, camarade changer le pays. Montes, pas de chance du tout. Entre nous bail magouille avec Jovenel Moïse. Jusqu'à présent, secteur syndical, pour qu'on voie aucun représentant le bail président République là, dans le cadre de formation nouveau conseil électoral provisoire. Président secteur transporté reste ici en change. Mais il fait qu'on est lui-même personnellement pas rentré dans la logique ça. Pour voir le représentant bail exécutif là, parce que d'après les climats pas propices pour formation nouveau conseil électoral provisoire. Changer, mais il encourage chef l'État pays à Nekbanana pour le chita parler avec parti politique pour capable de venir entendre pour planifier l'élection. Changer, mais il y a Germina Pierre. Jusqu'à présent, moi-même, tout ça, tant que changer mais nous pas entrer dans la logique pour les représentants, parce que nous, pays, il y a beaucoup de conditions pour le conseil électoral. C'est pour le gouvernement chercher une harmonie, chercher un consensus avec le parti politique d'abord, parce que l'élection n'est pas président, pour ne pas pour tête, c'est pour le pays. Parce que tout le temps, pas de consensus entre la population, entre le parti politique, on est difficile pour nous parler d'élection dans le pays. Regardons vague de sécurité qui a ravagé le pays. Là, regardez ça qui passe quoi des bouquets là. On dit, mon 4 mois, perdu la ville, il y a tout le moment, nous, qui ça, nos machines trafic. C'est ça, mon téléphone, pour sur ma trafic de quoi. Avait dit, bah ouais, comment on peut parler d'élection pendant un pays qui a une crise et sécurité qui a ravagé. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas voir représentant nous, le président? Moi-même, personnellement, en tant que changé pays, c'est difficile pour mettre des signes à on représente pas la présidence. Mais comme secteur, c'est pas le changé pays qui l'a donné, il y a plusieurs monde qui l'a donné, c'est près de nous quatre syndicalistes qui recevons l'aide. Mais moi-même, changé pays, c'est difficile pour signer pas mal dans l'aide de la présidence en ce qui concerne les représentants. Pas gain pour me quitter sur aucun syndicaliste, mais c'est le bagage n'a dit. Les émeris n'est pas représentant ton bagage parce que changer mairie dans le pays d'Haïti. C'est ça que nous avons pour réponse en tant que syndicaliste. Nous ne pouvons pas chuter sur aucun syndicaliste. Mais si vous voyez le gouvernement trouver pour nous, on ne pas changer mairie parce qu'il faut changer mairie représenté sur le terrain. Alors là, dit camarade mairie, il travaille lui-même tout pour représenter ton bagage pour qu'il écrit tout lui-même. Voilà, changer mairie, toujours dans le même causé, représentant pour le secteur transport terrestre haïtien. Gagnant secrétaire général monde syndical haïtien qui s'est similé Hermanès qui mandé président Jovenel Moïse pour le fond campé sous démarche à l'itamé là côté la voyer lettre by correspondance par ensemble de secteurs parmi eux secteur transport une façon pour capable voyer représentant yo non conseil électoral provisoire qui compte former là similé Hermanès ça fait qu'on est moment pas propice pour gagner et conseil électoral provisoire mais pour ta gagner élection avec président Jovenel Moïse, gen l'autre situation pour la soie vive qui est important, c'est ça, pour pouvoir lui-même ta penser avec lui. Similé Emanès, tout lui-même, dans la même occasion, fait qu'on est critiqué. L'autre syndicaliste qui, dans le secteur, lui dit, qui eux-mêmes a réglé ti bagay en bas pour capable de voyer représentant yo, dans KEP, conseil électoral provisoire, qui est exécutif à lui-même, ni attend, mette campé. En côté, secrétaire général, monde syndical, haïtien, similaire Hermanès, dans micro Radio Méca. L'exécutif là a demandé pour voyer représentant dans la tête après démission Champouel qui se fait là. On est que tout membre KEPO te dépend de démissionner en bloc. Nous dit, prendre ça, ça passe là. Qui donc? Nous même dans le monde syndical haïtien, Moussa, nous dit, ça n'est pas possible, ça n'est pas capable de continuer comme ça. Pays n'est pas capable encore et travailler avec travailler les gens à tout faire. Dans ce sens, nous avons exhorté pour l'autre fois encore le pouvoir exécutif, là, particulièrement le président de la République, là, Jovenel Moïse, pour ne pas continuer l'envoi ça qui déjà mette le pays dans une mauvaise situation compliquée. Et nous tournons contre ça. Il doit réfléchir et profiter de l'exécutif là, pour suspendre le secteur syndical, pour suspendre agir. Dans nos secteurs syndical. Et nous dit, yo pas capable d'imposer nous dans le sexe pour nous voir dans le syndicat, dans le conseil électoral provisoire. C'est pas yo pour dicter nous si c'est fille ou si c'est garçon. Voyez représentant, vous voyez une lettre adressée par nous, le ça nous choisit. Nous avons choisi fille, nous avons choisi garçon. N'importe ça nous choisit. Mais nous pas qu'à imposer nous, nous, monde, nous sexe. Moussa, quoi?
qui est celle d'un accord politique qui est capable de retirer le pays dans la conjoncture triste et malheureuse que nous tombons là. Nous demandons au président de réfléchir, encore une fois, sur l'acte que l'a posé. Nous disons, la situation nous est là, le peuple n'a pas prêt pour la rentrer dans le bail politique électorale, côté pas de aucune condition qui réunit. Moussa dit, vive le monde syndical haïtien, vive le travail. Vodou y ni yon l'autre côté, qui c'est yon l'autre organisation, Vodou, qui vaut et jeter bien les lois, des décisions. Confédération nationale vaudouisant haïtien KNV après là pour le voter moun dans le conseil électoral provisoire. Inok, Genelu, c'est représentant vaudou à la pour le voter dans KIPA. Est-ce qu'il a restiré après voice tête chargée, ça ne peut qu'on connaît. Il y a un responsable sur tout ça, Widney ou Mirai, n'a parlé là de Darati Makandal, les critiquer choix, mais Genelu, c'est représenté comme corrompu. Vaudouisant fait qu'on est, choix ça pas représenté ensemble secteur vaudou. Darati Makandal, quoi, pas aucune nécessité pour pour entrer tête droite dans l'élection avec toute crise à pays à trouver là, Widney Dumay, Nkoutel, laissez Darati Makandal, l'été dans Mikou à Djomiga. En 2008, nous fondons KMVA, Confédération Nationale Vaudouise Haïtien. Et moi, c'était porte-parole KMVA à l'époque. Après 8 mois, je quitté KMVA. En 2015, Ati, François Majesté, Beauvoir mourir. Et Max Beauvoir mourir avec tout KMVA. Je ne dis pas que Confédération Nationale Vaudouise Haïtien. Nous gagnons Kale Nawen Vodou Avili, KMVA. Kale Nawen Vodou Avili. Bon. Lorsqu'on paye yon l'état cadavre, c'est normal pour chercher une institution cadavre qui pour aider l'intérêt pays. Mais comme pays y a des gens là-dedans, qui viennent permettre que l'état cadavre là, institution cadavre là, pas besoin de permettre lui le droit pour l'intérêt pays. Parce que vous devez monde. Et d'ailleurs, nous prenons Enoch, Enoch c'est vaudouisant, certes. Mais je ne peux pas passer Enoch, c'est qu'à mettre Enoch dans le KIP, je ne veux dire. Je vais faire des voix, ça ne va pas déranger. Parce que Enoch, Généus, c'est commissaire gouvernement Gonaïve. Tout le monde connaît comment Enoch quitte Gonaïve comme commissaire gouvernement. Ah bon, ok. Qui lui permet. Et même si je pense que si mon temps c'était mon caractère et dignité, ce n'est pas ça. Je t'apprends, je viens de présenter le secteur vaudou. Bon. Jeune, porte-parole, les entrailles, etc. Mais commissaire, non pas bon commissaire. Ça montre que mon prend mon qui semble, mon qui a fait job sale, quoi qu'on job sale pour vous. Et puis qui intérêt vous de ta bien journée jeudi, pour ta courir presser, faire piquer devant, à l'an KEP, non pays dans l'Italie là. Je pense que KMV a fait appel. Et nous-mêmes qui avons vu qui c'est vous d'ouïni, là nous cherchons avec Royaume Vaudou, ou à ce que pas au courant de bagages ça non plus. C'est ah bon. KMVA qui s'est piqué devant le poucol. Auguste, c'est clou par contre ça. Lui, vont marcher pressé parce qu'il a besoin à le piller. Ça veut dire que l'argent de nos Caraïbes est passé mal. Et l'argent qu'on a virus passé mal. En fait, pays a tombé dans le trou. Et puis, il y a un petit groupe de monde dans le Vodou qui vient dans la tête de Lyon à Ti. À une soi-disant institution qui est nous, c'est ancien dirigeant KMVA. Nous comptons tout le monde. L'autre côté là, Darati Makandal lancé un appel à ben, toute organisation vaudouyo pour mettre tête ensemble pour finir avec ingérence ça dans le secteur. Vaudouisant sémanté, coup ça pas passé, financé au Pinga, ben, palais national, non sans ça. En côté, Widner Dumey, qui c'est Darati Makandal, tout le monde connaît ce nom ça dans le secteur. Il était dans le micro, Romane samedi, en côté là. Nabdi avec population vaudoua. Vaudouisant dans toutes quatre pays, la coupe dans le Pibad, de la coupe des Réales. La cour aux enfants, 10 départements, toute organisation vaudou sérieux, en qui on seul voit avec Vaudouini, ça finit. Nous sommes les cloches, je dis à la création finie, deux autres, ça va passer, et nous avons dit pouvoir Pinga. Ce n'est pas l'ambassade américaine qui a décidé pour Vaudou. Vaudou, c'est Vaudou, ils ont décidé pour lui. Si l'ambassade américaine qui a envie comme Tchoul, il n'y a pas de vie, Vaudouini comme Tchoul. Je ne crois pas que la cour comme Tchoul. Je pense ça. Il y a un grand monde, deux, trois mondes qui ont Tchoul, mais ce n'est pas tout Vaudou. C'est vrai. C'est pas tout vos doigts. En garde la cour, qui ça nous doit faire là pour nous contrecarrer ça? Non, nous déjà campé là. Vos doigts, nous campé et il y a passé sous un train nous. Pour ça, va y faire. Comment on a fait? C'est mon terrain. Et on connaît c'est mon terrain. Si donc, n'a dit clair, à partir de jeudi, quel que soit l'État ou l'institution, c'est à KND on a fait, ou à les affaires pas, c'est pas à faire vos doigts.
Parce que je dis à même KMV a prouvé que n'est pas vos doigts. Si nous avons KMV a mouru depuis le maximum de voir mourir, on a un cadavre. Cadavre, je vais vous donner un cadavre pour avoir un job sale. Et bien, je dis, c'est Kalina Wen, vos doigts à Dili. Dans la Confédération nationale vaudoise haïtienne, il y a plus de 40 organisations. Pour nous, il y a quelques grains de monde là-dedans. Comptez mon côté organisation. Oh, bomba là, voilà tout. Bon, et gros causé. Ah, mais ça, quand on divise, on fait ça? Non, non, depuis en 2008, notre peuple haïtien, l'été véatif, joue à pas loin. Et 13-14 2020, ça pour faire la fête et ça pour faire la papla. Aïe, boubou. Wap Kouti, Radio Mega, Go Radio A, l'IFE 6. Radio Mega, c'est plus gros réseau radio haïtien qui est sous la terre béni. C'est gros bouton ton radio à Zami auditeur. Wap suivre la troisième rendez-vous journal là, il est méga matin. Il passe sur antenne gros bouton ton radio ça. Il gagne dans tout le monde là, net. Il y a un coordonnateur général Viva Haïti, Abimo DJ, qui critique le secteur vaudois, il dit, qui choisit monde pour le représenter au nom conseil électoral provisoire. D'après Abimo DJ, monsieur Enoch, Genelus, qui se représente le secteur ça, pouvait à clair à travers Voice cap cyclé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas aucun profil pour vivre dans le KPA. Monsieur Bion Odige mandé secteur vous doit vous ressaisir rapide. Il y a une manière pour ne pas tomber en bas section population. Bion Odige à Calix Gauthier. Par rapport avec éléments d'information qui vient aujourd'hui et surtout avec notre carré conseil esclave peuple que l'ambassade américaine, Madame Lalim, avec Jovenel besoin mettre sous pied. Lundi ça, nous citer nom de diplomate ça, c'est en connaissance de cause. Signe bien tendé, représentant Andy Vaudoua Mounou Choisien, n'attendez sur toutes les réseaux sociaux, yon voice que ancien commissaire Gonaïve là, que en 2015 il était révoqué dans la justice là pour douette langue supérieure. Si un monde comme commissaire du gouvernement, te yon moun ki nan prison, l'al pren prisonnier nan prison, yon pote kanet bank prisonnier balé, li accompagne prisonnier, la bank l'al pren kop. Je dis à ces moun sa, vos doigts d'il choisi pour voler nan conseil esclave peuple là. Monsieur Sahar, ça n'est les Enoch Gene Lucin, li von voice pour le montrer qui j'en content. Tellement le boit whisky, le boit biel sous et le fier par le fait que ambassadrice américaine a appelé des relais pour féliciter pour le non déjà l'amène comme monde qui va le représenter en NKP. Et les deux dans discussion gagné avec ambassadrice là, yo déjà well soit comme président ou bien comme trésorier ou bien comme secrétaire général. Et l'aller plus loin pour le dire avec Zamil, mon chef fois ça nous passer. Ça veut dire il y a cherche son chat pour venir bail surveiller mentec. Maintenant qui situation y est, nous voulons terminer avec vodou isan. Chaque bataille qui fait en dans pays a vodou yo pas jamais passer inaperçu. Yo toujours victime de déchoucage. Et en 86, Jean-Claude Duvalier allait déchouquer Vaudou. Et sans compter plusieurs autres événements passés déjà, il déchouquer Vaudou Isaïo. Et bien, société a toujours pris et campé bon côté pour monter ces deux mouns qui sont innocents. Je dis, je pense que côté Vaudou Isaïo a mis tête là, il a créé un chemin de MCV, les jours finaux le 7 février, pour avoir l'autre bagarre comme ça passer sur lui encore. Nous voulons vous ressaisir. Et nous voulons rappeler tout, c'est avec Vaudou, sans cette nous, Bookman, Jean-Jacques Dessalines, il a été banni d'indépendance. Je dis, n'a dit avec monsieur Dame Vaudou Isaïo, pas à l'image Vaudou. Nous connaissons nécessité, nous avons grand goût dans la misère dans le chômage. Faire affaire nous, chercher gérer grand goût nous, mais pas ça l'image vaudouin qui baille pays à indépendance qui côté lié la journée aujourd'hui, parce que vaudouin n'y pas mérité ça. L'autre secteur autour, n'a pas appelé, surtout l'église, ils n'ont pas de responsabilité dans la société. Est-ce que nous recevons 20 millions de gouttes ça? Nous pas connaît. Mais souci, bon côté Jovenel fait connaît, même dans, au niveau de l'église, et 20 millions de gouttes là, ils baillent. C'est toujours formation conseil électoral provisoire réaction par suspendre tombé beaucoup de divers acteurs dans société a beaucoup de divers dirigeants politiques tout gagné un président bloc démocratique pour redressement national là qui c'est Victor Benoît qui qualifie vagabondage démarche chef l'état fait pour arriver mettre sous pied un autre conseil électoral provisoire. Maître Victor Benoît croit pays à kage élection après départ président Jovenel Moïse sous pouvoir 7 février 2021. Bloc démocratique là minimisé information qui t'a fait quoi est-ce que secteur vaudois t'a déjà voyé représentant en côté président bloc démocratique pour redressement national là Victor Benoît les apporter des détails dans micro collaborateur nous Jean-Philippe Massé. Nous pensons que c'est un vagabondage.
qui a préparé l'offre élection frauduleuse. Je pense que c'est une bonne chose que ces 9 citoyens, ces 9 compatriotes, vous êtes des missionnaires. Je montre que vous avez une force de caractère, de ne pas quitter ou manipuler. Vous avez fait mon bagage de vacances. Maintenant, nos pays comme pour Haïti, nous n'avons pas aucune illusion. Donc on est que M. Jovenel Moïse a pour nous et tout le monde. Des gens sans scrupules, capacité à les servir à l'entrée dans le pays. Mais nous-mêmes, pareil, ça nous parle à tenir. Nous avons une position claire au niveau du bloc. Et comme vous pouvez deux parties d'opposition, la position n'est pas de nous, qui pensait qu'il faut qu'en application de la Constitution, il faut que M. Jovenel Moïse, parti du pouvoir, en février 2021, et puis laisse ça pour nous créer des meilleures conditions politiques, laisse ça pour l'élection capable. Autrement dit, tous les secteurs, toutes les institutions, qui sont du côté des syndicats, du côté des femmes, du côté des catholiques, des protestants, des musulmans, enfin, tout pour nous passer des conditions démocratiques pour être pour Haïti, nous demandons, nous suggérons, pour ne pas prêter, pour ne pas participer à la mascarade, pour ne pas aller à faire. Il y a un secteur qui doit, par exemple, qui déjà avoué un monde. Mais ça, c'est droit, c'est l'histoire. Il y a des cas pour arriver, chaque ouvre de responsabilité. D'accord ? Maintenant, je pense qu'il est trop tôt de parler du secteur vaudou, parce qu'il y a plusieurs organisations dans vaudou. Il y a ça va peut-être pour nous, ou une organisation qui est dans le secteur vaudou. D'accord ? Pas là pour le secteur vaudou. D'accord ? Il y a des organisations vaudou, de bon moment vaudou qui va obtenir. Yon nan responsable bloc démocratique pour l'élection national, yon Emmanuel Ménard, critique Jovenel Moïse qui a cherché 6 mailles et division dans tout secteur dans le pays. L'el décide de créer district TIPAL pour le voyer invitation pour former même conseil électoral provisoire. Emmanuel Ménard, malgré tout secteur dans la vie nationale, n'a pas rentré dans la logique voyer mon conseil électoral provisoire. Ça, responsable politique l'a reproché, nek ban nan te refuse de joindre un accord politique pour débloquer la crise là. Li promette pour une bataille pacifiquement pour chavirer pour voir ça. Emmanuel Bina. Pour nous très clair sur ça, Jovenel Moïse sorti pour éclater toute sa notoriété comme institution dans le pays. L'a cherché n'importe qualité syndicat pour mettre en face syndicat et pour dire secteur et syndicat. L'a cherché n'importe organisation en dans vos doigts pour dire secteur vaudou. Alors que, dans l'esprit de la Constitution de 1987, il y a eu une liste institution qui l'a pour participer à la formation conseil électoral provisoire. Faut que nous disions bien, c'est un consensus qui te joint. Ça n'a pas en deux constitutions. Parce que, la constitution qui a donné cette amendée, en français, c'est pas en créole. Il y a des gens qui disent nous passons aucune constitution. Bon, mais nous disons, nous avons un pinga dans des institutions comme les églises, comme les associations des journalistes, comme le secteur privé des affaires, comme toute l'autre institution qui a participé dans ça, secteur universitaire là-tout, pour bail Jovenel Moïse au fond de non-recevoir clair, même si j'ai été fait qu'on est là, avant que tu aies gagné ou si tu as parlé, tu fait comme tu es. Si nous devons sauver ce qui peut être sauvé, mais nous devons refuser Chita pour faire un accord politique. Et comme son mandat arrive à terme le 7 février 2021, m'a répété une phrase d'aujourd'hui, comme l'État a failli, aujourd'hui, il revient à la nation de prendre charge. La nation prendra charge à travers les institutions de la société civile, à travers les partis politiques, à travers les forces morales, les églises, les associations professionnelles, bref, les forces vives de la nation. Donc nous-mêmes, dans le bloc-là, nous parlons de démagogie à faire des conseils électoraux provisoires que Jovenel besoin faire pour la faire une élection ouvrée à un cadre démagogue tête en bas, nous disons pas la donne et la boumée avec ZAM la loi. Nous, pour nous capables de dire pacifiquement,
Nous voulons que le pays a rétabli l'ordre constitutionnel. C'est ça fait. Nous disons nous ne pas participer dans aucune démagogie pour monter qu'il y a un conseil électoral provisoire formellement. Gagné un président bloc démocratique pour redressement national a annoncé un colloque à côté annoncé là un colloque qui a démarré vendredi qui a venu là trois journées activité ça qui a démarré vendredi qui a fini c'est l'occasion pour différents intervenants yo discuter sur différents problèmes pays a fait face il y a plusieurs experts qui là pour capable parler dans colloque ça dans différents domaines tant coup économie tourisme culturel et la tri. En côté président bloc démocratique pour redressement national là professeur Victor Benoît dans micro Jean-Philippe Masséan au niveau bloc démocratique là nous pas penser que nous-mêmes bien que nous c'est sept partis politiques bien que nous grand paquet organisation de la société civile qu'avec nous pas penser que nous-mêmes seulement nous gain solution nous gain monopole si vous êtes ça nous fait colloque ça tout d'abord nous dire au colloque international. Donc, nous avons fait appel à des amis, nous avons à l'étranger, hein, et qui sont capables de dire pour nous en Haïti. Mais en même temps, tout, dans le pays, il y a un paquet de monde qui appartient à des religions diverses, catholiques, protestants, vaudousans, musulmans, etc., qui ont des réflexions sur le pays. Il y a des monde d'idéologies diverses, monde de la droite, monde de la gauche, etc. Socialiste, libéral, tout bas, ça, il y a une réflexion par eux. Des classes sociales différentes, les gens qui sont dans le peuple, les gens qui sont dans la classe moyenne, des étudiants sans avenir qui ne sont pas aller, des entrepreneurs honnêtes pour qui veulent travailler dans de bonnes conditions. Eh bien, toute position a des réflexions sur le pays. C'est peut-être ça. Pour l'autre, ça, on a pu dire l'affaire. Nous avons fait son base non partisane. Ça voulait dire que nous n'avons pas fait pour que c'est nos mêmes points de vue politiques, pas nous, seulement qu'à le passé. Nous n'avons pas invité les gens pour venir parler là-dedans, parce que nous avons idéologiquement pensé même déjà avec nous. Non, nous disons, nous avons quelque soit idéologie, quelque soit religion, quelque soit classe sociale. Hein? Le problème qui se pose, c'est de savoir s'ils sont patriotes ou non. S'il c'est un progressiste ou non. Depuis qu'il a des idées valables, qu'il pense qu'il est capable de jeter dans le débat, porter dans le débat, pour capable de faire avancer la réflexion, de dire qu'il y a place. Hein? C'est ainsi. Nous avons pendant que le colloque a déroulé, et de monde, hein? Nous n'avons pas la même organisation politique avec eux, hein? Mais nous invitons à venir. Quel est notre critère? Le critère. Les deux critères sont la compétence et le patriotisme. Hein? La compétence, est-ce que mon ancien a parlé de l'économie? Est-ce qu'il y a une capacité pour parler de l'économie? Mais dans le sens original, pour le cas de nous, nous avons été à l'économie haïtienne et qui s'est pensé que c'est bon pour nous faire pour changer notre situation. Sans que ce soit un livre blanc à la biodiversité, sans que ce soit pas. Bagayou fait l'autre côté, il va dire on fait le tout, etc. Hein? C'est-à-dire les réflexions originales. Donc la compétence. C'est peut-être ça nous allons voir. Dans le monde qui habite pour la parole, il y aura de grands experts, bon paquet de grands experts. Coordonnateur Vive Haïti a bien déjà annoncé au par l'écrit secrétaire général des Nations Unies jeudi qu'a venu là pour dénoncer le représentant des Nations Unies en Haïti a dit qu'a fait corruption dans le pays a et puis déclaré madame la Lim persona non grata d'après bien déjà décision ça aussi à cause ambassadrice là pas respecter tête l'il fouille bouche li dans toute cause gain en Haïti bien déjà quoi ça pas possible et ingérence ça pas doit passer dans le pays a bien déjà. Au niveau organisation sociopolitique Vive Haïti, nous prenons responsabilité nous de jeudi, nous prenons l'écrit secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres. Pour nous expliquer, Mme Lalim, elle est venue comme diplomate corrompu qui vient faire COP en un pays. Et l'histoire rapportée de 1996 à 2017, que Mme Lalim passait comme diplomate dans le pays africain,
Tout pays a toujours des troubles politiques. Tout côté ça, c'est des côtés qui ont baigné dans la corruption. L'un prend par exemple pays Tchad, nous prenons Mozambique, nous prenons Afrique du Sud, nous prenons Angola et dernier c'est Haïti. Mais qui côté madame dans la mettez-nous. Et puis devant, la fine écrit, monsieur Guterres, mais puis devant, nous allons déclarer madame la ligne persona non grata. Parce que en tant que diplomate, madame n'a pas respecté tes pieds. Organisation sociopolitique Vive Haïti dénonce persécution politique. Les 10 pouvoirs en place à faire sous dirigeants sous-généraux à quelques membres dans l'opposition. Pour parole Vive Haïti, Winnie Timothée expliqué, président Jovenel Moïse, ses affaires personnelles, il a réglé. Dans le dossier ça, l'elle fait croire la bataille, la bataille pays à justice dans le dossier ça, lorsque mon qui gagote l'agent Petro Caribe a flané libé dans tout pays à sa aucune difficulté. En côté, pour parole organisation sociopolitique Vive Haïti, Winnie Timothée, dans le micro, Alix Gauthier. Vive Haïti, bah, conférence de presse ce matin pour nous dénoncer une vague persécution qu'a faite, et persécution, ça aussi, persécution politique qu'a faite contre la famille Vogue et contre tout madame ancien président Brival. C'est vrai, dossier à la justice. Mais pouvoir pas bail dossier sa chance pour le passer la justice, c'est mettre mandat d'amener des ensemble de monde, faire au marron pour pas présenter devant juge. Et aller la caillou, al saisir bien, al saisir caillou, al saisir tout ça au possédé, pendant que nèg l'argent Petro Caribe, y a marché dans figu moun. Tout le monde constate, yo di, yo volé quoi de mes côtés, yo mette yo. Sak l'argent yo nan droumoun dans la caillou. La justice pas pour moun sa yo, pas ese yo au pouvoir. Mais sak grave là, c'est que yon moun tankou Elisabeth Préval, monsieur, en attendant nous son première dame que lié. Nous même au niveau Vive Haïti, nous chargeons problème avec le président Préval et équipe lié, par rapport avec Jean, yon prend pouvoir, yon remettre Michel Malfinel qui était sorti en 4e ou 5e position, mais ça n'a pas suffi pour nous quitter, persécution politique à faire. Parce que normalement, l'on attaque en première dame, nous considérons comme un lâche parce que madame Préval son veuve que lié. Deuxièmement, puis là, l'autre pouvoir venir qui a attaqué Mathilde Montez pour question l'argent des malogues. Et l'autre bagaille, ils vont aller pour moun vin dit c'est persécution politique. Tout le monde voit ces Jovenel Montez commencer à attaquer ministre, attaquer ancien ministre, attaquer ancien première dame, attaquer une série de moun dans le secteur privé. Je dis, en attendant, je ne comprends pas le peuple haïtien. Yo couru derrière son général, yo couru derrière Dimitri, yo dit machin blackout. Dimitri allez, nous vins pin en fait noir. Les pays a balancé sous 2 ans dans le blackout. Et nous constatons que les pays sont pas rien dit. Les pays sont tellement résignés, la fait pression sous famille, sous amis, l'autre bord de l'eau, pour dire, vous voyez, pour nous bien, vous voyez, vous voyez, solaire, pour nous mettre la caille. Alors, si on pile vagabond, voler la jeune, pour question courant 24 sur 24, nous tous, nous avons gardé au danger. Ça, qu'a brûlé là. Jovenel Montet a déjà annoncé, il y a 9 têtes pour le couper. Dans 9 têtes, ça, nous, Dimitri, déjà, c'est madame, président Préval, déjà, son lot. Mais nous, aujourd'hui, en tout, il y a une attaque qui a fait sur des leaders dans l'opposition. Parmi eux, sénateur Yuri Latoti. Et nous, nous voyons tout. Gonseil de monde qui fait partie du même secteur privé, ça. Ils ont fait silence. Silence, ça nous fait. C'est une bas complice. Jovenel Montet a privé sur nous tout. Donc, Vive Haïti, vive. Nous-mêmes, nous avons défendu quel que soit le monde depuis cette persécution politique, depuis cette attaque personnelle qui a fait. Nous n'avons ni couleur, ni race, ni rang social avec le monde. Quand il s'agit de Jovenel Montet qui a fait le monde, moi-même, moi, ouais, Laurent Gagot a monté descendre dans le pays. Alors, ce que grand pile plainte qui déposait pour qu'ils soient stades, ils ont pris l'argent, ils ont dit, ils ont construit 25 stades. Olivier Malfini, petit Michel Malfini, a construit gros building dans Pétionville. Bon, d'ailleurs, c'est que plus gros gym dans Caraïbes. Collectif avocat pour défendre Douamounio, Kadoua Pié pour Karibarila, mouvement grève greffier autant dans le tribunal. Votre parole Kadoua Maternel Rémi, lancez un appel à l'autorité concernée là pour faire diligence pour satisfaire revendications grévistes pour permettre le système justice là fonctionner comme ça doit. Homme de loi dénoncé en même temps Chiripit qui gagne en mi-temps même CSPJO, ministère justice avec Parquitio, Arnel Rémi, plaidé en faveur réconciliation et même relocalisation par la justice Port-au-Prince pour cause insécurité. Métanel Rimiak Josué Belamou. Pour une bonne justice qui est forte, pour une bonne justice qui est efficace, il faut que les acteurs de l'appareil judiciaire soient bien traités. Nous appuyons Grévelin, certes, mais cependant, nous exigeons, nous demandons aux autorités de faire le nécessaire. Parce que le peuple haïtien souffre trop. Maintenant, ça fait presque 24 mois depuis justice pays, pas qu'à fonctionner bien. Moi-même, comme avocat, on ne peut pas évacuer les dossiers parce que les tribunaux sont dysfonctionnels. Maintenant, le défi a fait grève comme ça. C'est bien, on appuie la grève. Nous demandons pour exécutivement satisfaire des idérateurs. Mais il faut ne pas savoir tout, qui n'est pas comme une justice. Il faut ne pas savoir Tim Aléré, qui a un dossier tel, qui n'est pas qu'à traiter là. Il faut ne pas savoir Moun, qui n'est pas qu'à mettre le dossier, qui n'est pas qu'à déguerpir.
difficile parce que justice n'a pas fonctionné. Trop grève. Le système judiciaire, l'appareil judiciaire est à genoux au niveau de la cour d'appel. Ou comment ça que fait cour d'appel pas fonctionner? Parce qu'il y a un différent entre les parquetiers et le CSPJ. Bon, bif entre ministère de justice et CSPJ. Ministère de justice pas voulu parquetier monter par quoi. Et juge aujourd'hui, yo même yo pas descendre dans Val bicentenaire. Eh bien, la population est livrée à elle-même. Comment peut-on accepter cette crise qui perdure depuis bien longtemps? Le cadeau sollicite aux autorités de prendre les mesures adéquates afin de satisfaire les désidérata des greffiers et de donner un dénouement à cette crise qui a tant duré. Il est important de relocaliser le palais de justice. Est-ce que nous connaissons un avocat pendant la descente par le parquet? Il a tiré sur machine lui. Pendant qu'il a tiré sur machine, madame lui mourit. Ça permet que justiciable là. Ça permet que Timalé rien. Jouer non justice. Ça permet que le galon souffre. Parce que chaque dans le tribunal, le qui greffe. Et nous-mêmes, comme avocat, nous sommes contents pour offrir service nous, gratuitement et franchement à toute population haïtienne. Toutes conditions réunies pour gagner une émeute de la faim, un grand goût enragé, une misère atroce dans le pays. Avant longtemps, d'après porte-parole collectif avocat pour défense droit mon maître Arnel Rémy, défense droit mon nom encourage l'autorité au gouvernement prend toutes dispositions nécessaires pour porter une solution à un problème gagou la vichée avec insécurité cap augmenté chaque jour qui passait dans la société pour éviter vraiment la population tomber dans plus misère. En côté maître Arnel Rémy pour une dernière fois toujours dans le micro José Belamour. Au niveau du cadeau, nous prévoyons une émeute de la faim. Actuellement, là, le dollar frôle les 137 gourdes. Ça veut dire pouvoir d'achat. Si haïtien descend, pouvoir d'achat. Si maléria descend, ça veut dire moun qui cite soleil, qui gravine, qui fait tout moun, qui fait national là, ça y va dans plus misère. À 50 dollars ou te gagne 2010, sorte qu'on baille tête ou actuellement on pas capable. Ça ne brèle pas par an, yon pas le payer l'école. Ça ne brèle pas si machin yon la ville en bas soleil yon. Ça ne brèle dit à élève yon. Qui ça ne brèle dit à moun qui pas capable yon? Nous exigeons des autorités de considérer ce point pour que la vie du peuple haïtien change. Et nous demandons au peuple haïtien prendre des stèmes en main. Parce que si le peuple haïtien pas qu'à une sécurité, si bébé a mouru à tout moment, commissaire gouvernement a tiré la cali, qui est-ce qui est en sécurité? Personne n'est en sécurité. Nous dénonçons la recrudescence de ce climat de sécurité et nous exigeons que l'autorité concernée, le CSPN, DG Normil, ministre justice, baille population, on souffre, aidez-le, râlez, on souffre, parce que la population souffre trop. On va arriver pour nous faire place avec Rubrique économique journal. Rubrique économique journal, là, c'est avec Max Werner Bourieu. C'est Max qui va apporter pour nous toute information économique. Là, va dire comment l'économie mondiale là. Max, bonjour déjà, bon mercredi. Bonsoir, bonjour. On a commencé ensemble avec une grosse compagnie e-commerce qui est Amazon qui fait soutenir l'approbation de l'autorité américaine. Pour déployer une constellation dans l'espace qui est capable de recevoir plus de 3000 satellites qui est capable censé fournir Internet à haut débit dans tout le monde. Là. Géant e-commerce là, eh bien, pour l'investir, on a fait de 10 milliards de dollars dans le projet que les Quip. Selon ça, il a annoncé dans la publication et le rapport trimestriel. Yo. Projet Cooper hein, de Jeff Bezos, eh bien, qui c'est patron gros compagnie qui est Amazon, lui compter pour lancer environ 3236 satellites et qui peut permettre de mener connectivité Internet à travers toute zone qui n'est pas couvrie de Internet. Yo. Plusieurs entreprises ont déjà positionné sous créneau Internet ça depuis dans espace là. Mastodon, tant que SpaceX, de milliardaire américain Elon Musk, déjà déployé constellation Starlink qui comptait recevoir environ 300 satellites et qui gagne projet lui-même tout pour le lancer jusqu'à environ 42 000 satellites. En Europe, gouvernement britannique là qui associe ensemble avec un gros compagnie indien qui est les Bharatiya, eh bien, ils ont déjà choisi et comme repreneur opérateur satellite ça à travers système que vous avez écrit les OneWeb là qui peut porter projet ça même gens tout. Je dis Amazon a vendu un grain action à environ 3137 dollars américains. Nike lui-même qui sort par rapport trimestriel qui a été en pile ensemble avec pandémie coronavirus là
annoncé l'élimination d'environ 500 jobs dans le quartier général qui est dans Oregon aux États-Unis parce que, eh bien, la pandémie a affecté Nike sérieusement. Quantité Mounsaro qui pral perdre du job yo, pral permettre que Nike capable économiser en 200 à 250 millions de dollars par année. Et même j'en ensemble avec un pile d'autres corporations, Nike, il était souffrant pile de pandémie. Hein? Total revenu dans le dernier trimestre qui se passait a diminué de 38% pour un total d'environ 6,3 milliards de dollars. Alors que l'année dernière, dans la même époque, là, c'était environ 10,1 milliards de dollars que ont été fait. En Haïti même, eh bien, le 12 août qui pourrait venir là, c'est Journée internationale de la jeunesse. Et dans 4 journées, la BRH, Banque de la République d'Haïti, décide d'organiser le 12 ensemble avec 13 août, un forum de jeunes sous thème leadership et éducation financière. Dans 4 événements, ça, et son concours d'entrepreneuriat, pendant le concours, il y a un gagnant qui pourrait sortir la dernière. Qui est capable de renforcer les compétences dans l'éducation financière. Critères de participation, il faut qu'on agir entre 15 à 30 ans, il faut qu'on ait un concept d'affaires dans la tête qu'on est capable de réaliser, il faut qu'on soit porteur d'une idée, d'un projet que prime que vous pouvez offrir, qui est capable d'aider à exécuter le projet, il faut qu'on ait une capacité tout pour utiliser prime ça pour démarrer le projet, et puis il faut qu'on soit dans le secteur d'importation. Et PRIA, c'est environ 2 millions de gouttes et puis à bord accompagnement pour environ 12 projets qui sortent dans le concours. Ça, date limite d'inscription, c'est le 7 août 2020. Aux États-Unis même, eh bien, question 1, il est toujours lancé là à travers question l'argent stimulus là. Budget et d'urgence que gouvernement entre Congrès a discuté. Hein? Leader majoritaire dans le Sénat, Mitch McConnell, eh bien, lui-même, il dit que l'attente qui s'est sorti dans la négociation entre démocrates ensemble avec la Maison Blanche. Actuellement, là, et jeudi qui 4 août, là, eh bien, il y a une négociation reprendre entre leader majoritaire dans le Sénat qui s'est. Et Nancy Pelosi, leader minoritaire dans le Sénat, qui c'est le sénateur Chuck Schumer de New York, eh bien, il pour rencontrer ensemble avec et la Maison Blanche, et bien, pour capable continuer discussion yo qui s'accap sorti dans le paquet stimulus ça. Eh bien, ça t'a encouragé marché boursier jeudi à l'indice Dow Jones finit environ 164 points, le S&P capturé 11 points, le Nasdaq finit environ 38 points en note positive. Le baril pétrole là environ 41,56 en territoire positif, mais dollar américain continue à chuter sous marché là. Le Canada en dollar 33 et puis Haïti, eh bien officiellement selon la BRH à 120 gouttes, maintenant la rue a jusqu'à environ 125 gouttes pour le dollar américain. Bulletin patronné par Admax, 305-456-2075. Tant pis, Max Vernet Bourgeois. Max, c'est le même qui toujours porté pour nos rubriques économiques journal là-dedans. Il est toujours dans toute information, on sous gain là avec lui. On prend direction provinciale. Comment commune vous levez matin et qui ça vous gagne là-dedans? Comme information, qui direction n'a pas là? Non, mais tête nous dans grand sud pays a, mais là nous pour aller avant dans département NIP précisément avec collaborateur nous Henri Claude qui pral dit nous comment ça y est puisque d'abord comment département NIP levé pour matin et partager avec nous certaines informations gagné la police dans département NIP pays qui présenté bilan opération mené pendant mois juillet là côté gain divers à moun qui jeune arrestation yo et en parmi chef accusation mais parmi ça reproché moun sa yo c'est vol viol OK qui fait et gain l'autre chef accusation nous pas regarder en détail là nous pas attendre en détail avec collaborateur nous Henri Claude Clercin. Comment ça est Marcel Joseph, est-ce qu'Henri Claude Clercin déjà en ligne avec nous? S'il déjà en ligne avec nous, André Sévroy, la rubrique Ronde Provinciaux pour matin mercredi qui c'est 5 août 2021. Bonjour Henri Claude Clercin, comment ça est? Bonjour Blaise, bonjour Romanes, bonjour à Marcel Joseph Capmaye Boutonyo. C'est un plaisir matin hein, pour nous capables partager avec auditeurs auditrices radio mais gayo ensemble information cap dominer actualité à nos communes nan. Avant de faire connaître ville la levé très calme à côté activité ont déjà démarré déjà nous parti pour une bonne journée activité si toutefois climat t'arrêté comme ça. L'autre information n'a fait connaître la police dans département ni présenté bilan travail réalisé dans la période sortie premier pour arriver 29 juillet 2021. Pendant période ça la police a fait 69 arrestations
Parmi eux, 40 en flagrant délit, ils ont exécuté 29 mandats côté ils ont reproché Monsayo pour vol, viol, association malfaiteur et détention illégale à Zamafé. La police a enregistré 3 accidents de circulation qui la cause à yon moun mouri ak 5 autres blessés. Porte-parole police Niplan, Wisnel Desamba, a profité occasion pour présenter bay population Nipoisa, Kempes Edouard, comme présumé assassin qui te fait assassinat sous Josiane Pierre et Jean Reméis dans la date 13 juin passé dans la zone Bakounois. La police rivée saisit des armes pendant la période ça. Côté, yo félicité population Nipoisa pour bon genre information yo te fourni yo qui permet de réaliser travail ça dans tête collée avec la justice. Pour ça qui gagne à wè ak machine à cap sikiné sans plaque dans Miragouane, porte-parole la fait connaître. La police a travaillé avec DGI ensemble avec OAVCT pour y résoudre le problème. Si là, pendant le fait qu'on est tout, le CPJ a mené enquête sur le monde qui a menacé le monde dans le téléphone et puis demandé la population à rester vigilant. N'a fait connaître un phénomène qui mettait gouquet sauté dans la population parce que chaque jour, un peu le monde a recevoir appel pour faire connaître, recevoir l'argent pour tout le monde si toutefois il n'y a pas négocié. Depuis Miragouane, Henri-Claude Clessin, Radio Méga. Merci en pile, Henri-Claude Clessin, pendant Henri-Claude, ce partage d'informations. Ça, dans toujours été dans le sud de Marseille, on apprend Javana Soliman, gagne un journaliste, Sénès Joseph, qui est même dans le département central PIA, et confrère non, qui est même, qui est correspondant à une radio dans la capitale là, qui partage quelques informations avec nous sur menace, la prise, voire le boyau numéro. Qui a fait des crises, qui a fait une menace, qui a fait qu'on a gagné et divers journalistes qui ont même qui déjà perdu la vie, donc journaliste numéro ça, moun ça, cité non, Némé, cité non et aussi de pétition comme journaliste qui mourit et si lui-même n'est pas posé, lui qui a fait le posé et lui clair que journaliste Sénès Joseph qui s'est confrère dans le département de PIA qui partage avec nous quelques informations et sur numéro A et sur des messages que numéro ça vous balise sur menace la mort la fèl. On garde là avec Javanel Soliman dans Okaï département sud PIA. Javanel, comment ça est pour département sud PIA? Bonjour Blaise, bonjour Romanès, bonjour Joseph, nous saluons toutes les radios qui relayent Radio Méga à travers le département et à travers le pays. Et nous saluons tout le monde en général qui toujours fait les devoirs pour brancher Radio Méga chaque matin et qui toujours fait nos pas. J'en ai entendu Radio ça. Et nos cahiers les lever très bien ce matin parce que nous avons un petit temps qui sombre. Et la pluie a de fond qui tombe, mais pas combien la pluie a tombé. Et on dit déjà, chauffeur taxi, même qui déjà prend la rue, et radio, et brancher la sur Radio Méga. Et nous saluons tout, et on dit, tout l'institut qui est relayé, ville au Caï, avec l'autre ville, et bien, ma station a déjà gagné, et que des trois mouns d'ailleurs, qui pour aller évacuer à occupation. Et responsable yo dans l'hôpital au Fatma dans ville Okaï porter lumière sur la mort Marquis Metelus, un jeune garçon 25 l'année et qui était mort journée lundi 3 août 2021 suite à un accident routier et selon administrateur l'hôpital au Fatma dans sud Jean-Vionel Caton livre j'étais bien loin tout ça qui t'a dit comme quoi c'est l'agent parent malade la pas gagné et pour qu'il fait opération qui cause l'immorie et avec question négligence médecin qui a parlé dans la presse et Jean-Vionel Caton avancé pour le dire au Fatma pas jamais mettait l'agent devant elle était située au même sud elle toujours mandé médecin yo depuis il y a cas urgence qui s'est goué sauver vie mounan avant après processus administratif yo a fait aller plus loin pour le dire intervention orthopédique t'est faite sans même monde qui t'est frappé jeune garçon ça pas qu'au même passé dans administration pour te bail même $1 non seulement pour médicaments ni pour oxygène ni pour même intervention ortho qui t'est faite sous malade là administrateur fait comprendre et avancer pour dire monde capable dit tout ça yo vle yo
c'est eux-mêmes qui connaissent qui côté eux jeune avec la question ça surtout et lui-même lui toujours fait tout ça qui est possible comme responsable au Fatma pour que il y ait des bagailles qui pas arriver parce que les soins maladie c'est eux-mêmes qui et puis important pour lui dans au Fatma lui fait comprendre au Fatma pas seulement et c'est effectivement Fatma c'est l'hôpital pour monde qui assurer mais tout livrer tout monde qui gagne un problème et un département arriver joindre service et c'est toujours exonéré.